Salut, station fréquence, les bonsoirs 1351 à vous tous de la part de Dandy 33, et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors, on est le vendredi 26 février 2016 et il est 21h. Alors, comme à chaque fois, une petite vidéo là pour motiver les troupes. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Et si j'oublie? Les bonnes 73-51, les stations fréquences. Eric, est-ce que tu es là? Ah. Alors, Philippe, le département 40, est-ce que tu es là? On dirait que c'est calme ce soir. Bon, attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Allez, bonne 73-51 à vous tous de la part de Dandy 33. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Attention Eric, Philippe, est-ce que vous êtes là? J'arrive à réveiller, dans 2 minutes. Ok, ouais, j'étais un peu surpris, là, c'est un petit peu diesel là, ce soir. Ouais, comme quoi, comme je disais là, le dernier coup, si 2015, à de suite Eric, hein, si 2015 il y avait plus de monde le vendredi soir, que le samedi soir. Le samedi soir, il était pas rare de se retrouver qu'à 3. Là, 2016, eh bien, c'est complètement l'opposé. Ah, là, depuis le début d'année, c'est plutôt le vendredi soir qui est plus calme par rapport au samedi. Eh bien c'est comme ça, et puis voilà, c'est tout. En 2007, eh bien, pour le coup, il y aura autant de monde que le vendredi soir que le samedi soir. Voilà, au moins comme ça, tout le monde sera content. Hachi. 2017, je veux dire. Alors, Laurent, 14 Aubière, 672, le département 64. Est-ce que tu es en fréquence? On est pas en 2017. Non, je récapitule tout à l'heure les bonnes 73. Tout à l'heure je disais qu'en 2015, donc il y avait plus de monde le vendredi soir que le samedi soir. Le samedi soir, il n'était pas rare qu'on se retrouve à 3. On s'est même vu des fois à 2. Comme quoi. Et cette année là, 2016, eh bien, pour le coup c'est complètement l'inverse. Le vendredi soir c'est relativement calme, et le samedi soir par contre c'est là où il y a le plus de monde. Alors je disais comme ça, ben, il ne reste plus qu'à attendre 2017 pour qu'on trouve autant de monde le vendredi soir et samedi soir. Ceci Rémi, le 51, les amitiés à tous, le 14 Victor Eco 27. L'opérateur Eric, indicatif du forum des hommes des routiers. C'est 14 ODR 0027. Ouais, c'est vrai, toi, là, vu qu'on est en QSO local, l'indicatif vient pas automatiquement. Eh bien, les bottes 73 de 14 ODR 002, 14 Oscar Delta Romeo 002. Alors, ah oui, tiens, Eric, oui, cet après-midi, quand tu m'appelais, que je t'entendais pas, ça y est, c'est après coup que j'ai réalisé. Juste avant, j'avais mon chef au 600, ce qui fait que, bon, ben, machinalement, j'avais coupé le volume, et puis, bon, ben, une fois terminé, j'avais oublié de remonter le volume du poste. Ah, c'est sûr que j'ai trouvé que c'était très calme. Je me suis dit, bon, ben, il y a le squatch, ok, bon, qui était pourtant à peine monté, mais bon, ça passait pas au-dessus, bah, tu m'étonnes.
c'est pour lui demander l'augmentation. Ouais, Marc, c'est vrai que Fanon, lui, il est pour rien, quoi. Ouais, je me doute, c'est le chef de poste, c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Avec les stations de 14h07, opérateur Florent du Sud. Ok, ah bah alors là c'est la surprise, surprise du soir. Il y a 14 ODR 007, Gesbond qui est avec nous, Hachi. Florent, putain, j'allais répéter Gesbond moi. Florent, il y a Eric 14 ODR 027 qui est avec nous. Bonjour, actuellement je suis avec un ami, donc Grégory, qui est parmi nous pour le QSO. Je suis encore au gastro liquide, donc du coup je suis pas sûr de trop être là, là ce soir. Enfin, je fais vite fait un passage pour lui faire voir comment c'est la CB. Donc voilà. Je souhaite la bonne 6351 à Eric de Lormont, de ce dont je sais plus là. La bonne 73 à lui. Eric, est-ce que tu as la copie de Chamou, de 14 ODR 007? Ah, j'entends quelqu'un qui chuchote, mais non, je peux pas déchiffrer, voilà. Il va falloir qu'il fasse quelque chose, hein. On en a parlé ces jours-ci, justement, là, en AM. Il en est convaincu aussi, hein. Chamou, il y a un truc, il y en a un qui m'a parlé de... Non, parce que là, bon, tu sais que les vidéos, elles sont écoutées, hein, justement, ça les motive, d'autres, au contraire, ça leur donne envie de répondre, de réagir au niveau des commentaires, comme sur Facebook, par exemple, et il y en a un qui me parlait de la Santiago Turbo 800. Alors, va falloir voir ce qu'elle vaut. Bon, là, tu as la 600 qui marche très bien. Bon, la 1200, bon, ben, évidemment, là, c'est l'une des reines du DX. Par contre, par rapport à la hauteur de ton véhicule, tu as un souci. Et va falloir qu'on regarde de plus près la 800. Ouais, il faut aussi avoir le prix aussi, là, parce que c'est du bon antenne, mais le prix aussi, il compte. Alors j'ai enregistré le siffleur. Oui, bah oui, bah oui, tu m'étonnes. C'est sûr. Il y a eu un siffleur derrière, en avant la station. Il était de ton côté, Eric, ou pas? Attendez, un sifflement très lointain, très 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 lointain, voilà. Et Chamou, je t'envoie quand même les invités, j'espère que tu vas bien, et puis du moment que tu m'entends dire mes bêtises, ça va. Ah, je plaisante, hein. Et tu salueras tout le monde à ton cuir. Chamou, est-ce que tu as reçu Eric? Je l'ai reçu, j'étais en train de parler justement à Grégory, là. Je lui disais qu'en fin de compte, mon Q1Z, en gros, il me demandait ce que ça voulait dire. Je lui disais comme ça que... c'était mon surnom, quoi, voilà. Et en même temps, là, pour le passage, je voudrais dire que la CB, ça m'a aidé aussi à évoluer dans mon langage. C'est vrai, avant, je parlais pas comme ça, ouvertement, comme maintenant. Je pouvais pas parler de machine. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé la CB, j'ai bégayé beaucoup dans ce que je voulais dire, et maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi. Comme quoi? Ah, ben voilà un truc qui est bien. La CB, c'est une bonne thérapie. Eh ben, et ça rime en plus. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup plus de mal à chercher mes mots, et que maintenant, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux que... Enfin, je dis ce que je pense, quoi, c'est ça. Ok, Eric, donc pour t'expliquer, voilà, Chamou, là, justement, il nous explique que la CB l'a drôlement aidé, justement, à parler, à communiquer, à s'exprimer, à prendre confiance en lui, quoi. Donc ce soir, ça va être le QSO de la thérapie de groupe. Chier. Là, je me moque pas, Chamou. Non, je me moque pas, je te rassure. Je crois qu'il y a
Philippe, ou Jean-Philippe, oh putain, mais ça y est, c'est pas vrai, je tenais moi de poisson rouge. Philippe, 14, Roméo Charlie, 021, du département 40. Si tu restes à 500 milliwatts, on va pas t'entendre, là, ici, là, sur le QTHI, les modes 73. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être Philippe. Philippe du département 40, hein, Chabot. Hein. Pas. Attends, sur le département 16. Ah non, ça doit être Jean-Philippe. Ouais, ce qui n'est pas pareil. Ok, Chabot, les 213-51 à toi. Amuse-toi bien, bonne soirée. Doucement avec la bibine. On te connaît, toi. On t'a repéré déjà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que Philippe, là, il est trop loin là, par rapport à toi, là. Il est carrément là-bas dans les Landes. Voilà. De toute façon, Chabot, toi, on te connaît, on t'a déjà repéré. Tant que tu roules pas sous la table, t'es pas content, quoi. Là, je fous un peu la merde, là. Là, je suis en train de te tailler une réputation pour Radio Broc le 12 mars. Attends, tu vois, quand tu vas arriver à Radio Broc avec nous, là. Ils vont tous, tu vas les voir tous éclater de rire, faudra pas te demander pourquoi, quoi. Ok, oui Eric. Je disais que Chameau est porté bien semblant, hein. Ah oui, touché ma bosse, touché ma bosse. Qu'est-ce qu'il y a dans la bosse? Je te laisse deviner. On habite dans quelle région? Je te laisse deviner aussi. Ah ça, oui, c'est sûr. Chameau, qu'est-ce que tu fais des fois dans ton fourgon? Quand il y a ton frangin, par exemple, avec toi, tu peux nous raconter? Je parle bien de liquide, hein. Ah ouais, moi, bon, ça repousse à... Il y a un long de ça, comme j'étais à Saint-Cécaire. Mais on n'avait pas fini le gastro solide. Mais le gastro solide, il faut toujours du gastro liquide. Il y avait une petite quille de rouge comme ça qui traînait. Et donc, du coup, comme on n'avait pas fini le gastro, il y a la bouteille qui nous a suivi, quoi, voilà. Ouais, et pour le coup, tous les deux, vous êtes restés à dormir dans le fourgon, quoi. c'est ça, hein. Ah ouais, c'est exactement ça, ouais. On était tellement... on n'était pas bien ce soir-là, ouais. Donc du coup, on est resté dormir dans le camion, quoi, voilà. Bon, allez, je vais QRT, là, parce que on commence à avoir froid un petit peu, là, et il faut quand même se réchauffer l'intérieur, là. Ok, ça marche. Il m'a semblé entendre de quelqu'un à travers toi derrière, ou alors c'est peut-être de ton côté qui a un peu de bruit. Ok, les bottes sont 1351 à vous, 212 QRA, amusez-vous bien. Ok, pas de soucis, les 7351 à toi, les 88 à madame. Allez, bonne soirée, un bon QSO à toi. Ok, merci Chabot. Oui, vas-y Eric. Je disais salut Chabot parce qu'il nous lâche encore. Hop là, hey, y a du monde derrière Eric, tu entends? Personne de mon côté. Ok, oui, les stations là qui appellent, qui lancent appel là sur le canal 27, les 913 51 à vous de la part du département 33, c'est-à-dire 14 ODR 027, 14 Victor Eco 27 Eric, et moi-même 14 ODR 002 Dandy 33, voilà, département 33, en avant les stations. Alors, je sais pas si c'est un appel ou un QSO parallèle. Ah, c'est peut-être plus un QSO parallèle, je sais pas. Hop là, et on nous entend.
Ok, les moines 73, oui, affirmatif, c'est bien moi, Rémi. J'espère que tout va bien de votre côté. Oui, je t'écoute. Ah, j'ai énormément de mal à sortir quoi que ce soit, là, c'est très QRP, là, de mon côté. Je sais pas, soit sur le forum ou sur Facebook, essaie de mettre un petit message, là, qu'on puisse t'identifier. Ok Jérôme, là ce coup-ci là, c'est bon, j'ai compris, il est mon 13-51 à toi Jérôme, des Landes. Oui Eric, voilà, on a Jérôme là qui vient de rentrer là, du département des Landes, là dans le QSO. Ah, j'ai rien, moi de mon côté, j'ai rien, là, ça va pas. Eh ben, la tour de contrôle de Bordeaux, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais, nettoie un petit peu ton antenne, tu verras, t'arriveras mieux à entendre quoi que ce soit. Ça veut pas passer de ce côté là, là. Le soir, hein, c'est impressionnant. Hein. Alors que je te dis, je capte le petit renard et tout ça qui sont de ce côté là-bas, ils sont loin. Et mais là, le soir, ça va pas passer de mon côté. Alors, message de Sylvain Nounours sur Facebook. Rémi, tu parles pas assez du week-end de Radio Broc. Achille trois coups. Ouais, celle-là, je l'attendais, celle-là. Et t'entends pas derrière? Moi, j'entends rien. C'est hallucinant, ça. Eh oui, tu as Jérôme, là, qui nous répond, là, derrière. Bon, c'est très, très QRP de mon côté. Hein. Là, ce dernier passage, en plus, j'avais rebaissé le volume, parce que tu m'as cassé les oreilles. Hachi, trois coups. Et là, dommage qu'il n'a pas un peu plus de pêche, ouais, il nous faudrait un filet de propag. Là, ça serait nickel. Du côté de là, si j'entendais bien l'autre jour, Philippe, j'entendais bien. Ok, alors ce qui est étonnant, c'est que, bon là ce soir je sais pas, mais j'ai pu remarquer là sur les vidéos, comme Philippe par exemple, mais tu passes super bien toi là, par là-bas quoi. Mais par contre là, question d'entendre quoi que ce soit, là c'est hard. Mais voilà Philippe, il me recevait bien. Ben oui, pourtant, et toi comme quoi, hein, le mystère des Andes, t'es quand même beaucoup plus près des Landes que moi. Hein. Là, il n'y a pas photo, là, à ce niveau-là, hein, et c'est bizarre. C'est bizarre, il y a un couloir, là, qui est de ce côté-là. Ça me fait penser à Leclerc 4. C'est vrai, dommage, là, qu'il n'est pas en fréquence, parce que là, pour le coup, on l'aurait peut-être attrapé, quoi. Alors, message de Claudie, j'ai du 90-92 qui m'arrive très QRP, hein, 90-92, ah oui, d'accord, les départements, non mais attends, non mais ça c'est la fatigue ça, hachi, qui m'arrive très QRP avec même le préampli de réception, mais je n'arrive pas à le sortir. 14 ODR 016 sur les ondes en avant. Voilà le message de Claudie. Ouais, on va le saluer quand même à Claudie, au cas où il nous entendrait. Claudie, 6351, le 14 Victor Hugo, 27 l'opérateur Eric. Je ne sais pas si tu me copies, mais je ne voudrais pas avec
avec les moyens du bord, voilà. Avec Facebook, si tu peux. Allez, ou alors sur le site. Allez, bye bye, si tu me convies pas. Voilà, je suis en train en même temps de passer un peu la caméra dessus. Putain, mais ça papote derrière, ça y va plein pot, hein. Bon alors, côté... voilà, j'ai un petit peu de mal. Hein. Côté matériel, est-ce qu'il y a des nouveautés ou alors pour Radio Broc, est-ce que tu as quelques infos sur ce qu'on pourrait trouver ou sur les stands qu'il pourrait y avoir? Est-ce que tu as été un petit peu tuyauté là, de ce côté-là, hein? Ben écoute, non, parce que... avec des déco supplémentaires. Apparemment, je pense que cette année, il y aura encore plus de monde, parce que les personnes, j'entends de plus en plus de personnes qui disent qu'ils vont venir et qui sont intéressées. Mais question matérielle de côté, non, je ne peux pas t'en dire plus davantage. Mais je pense qu'il y aura foule, il va falloir une place, on va être cher. Oui, il y a des chances. C'est vrai qu'on aurait intérêt à arriver à être là-bas dès 8h30, hein, ça c'est certain. Hein. Et puis bon, comme chaque année, il y aura Radio 33, nouvellement Radio Am 33. Alors, si c'est comme d'habitude, son stand sera au fond à droite. Hein. Oui, oui, je pense qu'ils ne changent pas, ils sont toujours au même endroit. Mais je te dis, les OM, j'ai eu des pelles d'écho d'OM qui doivent venir. Et il y en a qui vont venir, c'est vrai, je pense, de loin aussi, hein, parce que j'en parle avec des personnes qui ont des départements et il y en a qui vont venir. Donc la fréquence va être bien occupée aussi, oui. Alors, derrière, toi, là, je te l'ai dit tout à l'heure, là, on a Jérôme, là, des Landes. Alors, Jérôme, 14 kilos, Yankee 0,40. Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit et Maxime, du 32, si vous m'entendez, on vous repasse le micro, allez-y, rentrez dans le QSO. Ah, c'est très 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 QRP de mon côté là, c'est très très difficile là ce soir là de vous sortir. Et dommage, on n'a pas notre tour de contrôle qui était installé le dernier coup là sur le haut de la colline, c'est-à-dire Claudie 14 ODR 016. Et parce que lui là-haut là, il aurait pu tout attraper là, il aurait pu nous faire le QSP. Et hélas, en ce qui me concerne, vu que demain matin, il va falloir que je me lève à 4h, donc ce soir, pas le temps d'aller m'installer là-bas. Et puis en plus, bon, aujourd'hui, avec le pro et tout, ça, le temps de rentrer au QRA, il était déjà quasiment pas loin de 19h, quoi. Donc ça a été un petit peu short. Mais il va falloir que j'y retourne, là, sur la colline. Hein. Mais pas ce week-end, en tout cas, mais c'est sûr, j'y retournerai. Parce que ça me fait chier de pas pouvoir vous entendre mieux que ça, là, ici, quoi. Bon alors, Eric, voilà, nous avons derrière, dans le lointain, Jérôme, 14 kilos Yankee 0,40 et Maxime du département 32. Là ils sont derrière, mais bon, hélas, là, ce soir, là, la PROPAC veut pas nous donner un petit coup de pouce. Ouais, mais écoute, moi, j'ai tout essayé. Là. J'ai essayé en horizontal, j'ai essayé en vertical. Là, non. Mais il me semble que Jérôme, j'ai déjà fait une question avec lui, il me semble. Mais l'habitude, ça passait beaucoup mieux que ça, ça allait bien. Mais là, ça veut pas. Et puis remarque, je ne suis pas surpris parce que quand tu vois la propagande qu'il y a aujourd'hui, c'est, à ce moment-là, c'est
Ah ah. Ouais Jérôme, ok, je... Attends, ce soir... attends deux secondes... Alors, j'essaie de... Ok, oh zut, tant pis pour les fouettes. Voilà, j'étais en train de m'éteindre. Ouais, Jérôme. Ok, d'accord. Ouais, ben, de son côté, là, il a fait le maximum. Là, il peut pas plus, il est au taquet, quoi. Bon, ben, c'est bien dommage. Ben, on n'aura pas mieux ce soir. Eh oui, voilà, c'est clair. Ben oui, voilà. Hélas. Ouais, je t'entends un petit peu derrière, Jérôme. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment QRP. Tu pourras l'entendre, là, sur la vidéo. Hein. D'ailleurs, attends, je regarde, il reste 3 minutes. Hein. Voilà, tu pourras l'entendre dessus. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment QRP. Hein. Ok, putain, mais là, j'ai... assez chiant dans ces cas-là. Quoi. Eric, ah, t'as, oui, même toi là sur parabole, sur la parabole, t'arrives pas à les sortir. Non, sur l'horizontale, non, j'arrive pas à les sortir. N'importe quoi, j'ai dit la parabole en plus, moi, n'importe quoi, sur la directive, je voulais dire. Ah non, sur ni la verticale, ni l'horizontale, la directive, non. Ok. Daniel, tu l'as pas eu en fréquence là ces jours-ci. Tu sais, parce que tu m'as posé la question là pour le restaurant là samedi. C'était au cas où toi tu l'aurais eu avant moi, quoi. Écoute, non, j'ai pas eu d'autres nouvelles de Daniel depuis la dernière fois. C'est le cas de dire. Mais non, ben, on va si on va se manifester de toute façon, il n'y a pas le. Il n'y a pas de souci, hein. J'ai une question à te poser. Est-ce que Jérôme, je sais qu'il t'a le temps, mais est-ce qu'il va le temps, moi, aller. Alors, Jérôme, est-ce que tu entends Eric, là, qui est sur le sud Bordeaux, hein? Ah, là, ça, soit il n'a pas repris le micro, soit ça passe plus. Ouais, affirmatif. Mais au niveau Propag Zéro, t'as vu, on n'est pas les seuls. Hein. T'as écouté la vidéo là, de Gilles là, qu'il a fait là sur la route. Putain, mais la vache, ce silence qu'il y a aussi là de leur côté, quoi, c'est hallucinant. Quoi. Ah ouais, là c'est vrai que j'ai vu la vidéo là, oui, quand il roule. Là, c'est vrai que là, mais je te dis, mais t'as le temps rien, hein, l'après-midi, t'en prends pas un chat ou alors on fait du vraiment local, local. C'est déjà, quoi. Ouais, voilà, ouais. Là, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment intérêt à motiver les stations à faire du local. Parce que, alors là alors, je sais pas, on dirait qu'on y va droit, là, dans le creux de la propague. Ouais, puis apparemment, je sais pas, j'ai écouté certains OM, donc moi, je sais pas, je connais pas trop ce niveau.